cette vie est derrière moi. Non. Sophronia, j'ai résolu toutes les énigmes du hall d'Hérodiana. Incroyable! Alors tu as trouvé la tenue d'Hérodiana? Je peux la voir? Bien sûr. Admire. Oh, c'est génial! Tu vas avoir autant d'allure qu'Hérodiana, la grande spécialiste de Repulso. Tu es en deuxième position parmi les gens que j'admire le plus. Je n'ai rien à utiliser là-dessus pour le moment. Je devrais informer Chic de la naissance du Sombral. Bonjour, Chic. J'ai une bonne nouvelle. Un petit Sombral est né. C'est merveilleux d'avoir un peu plus de Sombral en ce monde. Ils sont tellement incompris. C'est triste que nous puissions tous les deux voir les Sombral. Chic a de la chance de pouvoir les voir. Mais parfois, il aimerait ne pas en être capable. Tout est la faute de Chic. Qu'est-ce qui est de ta faute ? Il y a des années, le maître de Chic lui a demandé de l'aider à capturer un phénix, la plus rare des créatures qu'il avait aperçue sur une falaise. Le phénix était la plus belle créature que Chic avait jamais vue. Chic a supplié le maître de ne pas le capturer. Quand Chic a hésité à escalader la falaise comme on lui avait ordonné, Chic a dû se punir. Alors que Chic se punissait, le maître est devenu furieux et dans sa frustration, il a lancé un sort à l'oiseau royal. Chic pense que c'est pour protéger ses œufs que le phénix nous a attaqués, effrayés et enragés. Avant que Chic ne puisse l'atteindre, le maître est tombé de la falaise. Chic est resté des semaines à se punir sur cette falaise avant que Tobbs ne le trouve. Quelle horrible histoire, Chic. Je suis désolé. Chic n'avait raconté cette histoire qu'au professeur Weasley. Et maintenant, à vous. Chic se demande souvent comment va ce phénix. Chic a de la chance d'être à Poudlard maintenant et de vous aider à sauver des créatures. Oh, Chic doit se racheter pour ses actions passées. Revelio.
Céleste va bien? M'a-t-il raconté ce que vous avez fait? Elle, Céleste, va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers, et sur mon implication. Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sanglier. Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmagiar t'évoque quelque chose? Je crains que non. Pourquoi? De quoi s'agit-il? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Aux dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée? Par ici. Un centaure. Fais bien attention. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennuis. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitantes de Préolar. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. C'est la troisième fois que je vois un fangu aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qui les met dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Réveillon! Mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Il y a toujours de la fumée, des peaux. Pauvres bêtes. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant? Il y a quelque chose? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelin. Continuons à chercher, mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers? Regarde, là-bas! Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir.
Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion? Ou une approche un peu moins discrète? Pas facile à dire. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Si tu veux mon avis, Poudlard a bien de la chance d'être entouré de sortilèges de protection. Si quiconque s'en prend à moi... Petrificus Totalus. Le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Rebellion. Ce sont des dragons. C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant et pourquoi ces secrets. Pas étonnant que les braconniers passent tant de temps à Priolar. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat, vu le monde qui est ici. Comment ils peuvent trouver ça amusant? Je comprends pourquoi les centaures méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons ici. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer à marcher avec eux. Petrificus Totalus. Rebellion. Des nouvelles de ta famille? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous? Vont-ils nous rejoindre? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ah, moi, je dis que si on pourfendait jusqu'au dernier sortie d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. J'ignore comment Ranrok fait pour supporter Rockwood. Quel abject personnage. Nous n'en avons plus pour longtemps. Bientôt, nous serons libérés des chaînes du sorcier. Petrificus Totalus. Rebellion. Petrificus Totalus. Rebellion. Thank you.
ces gobelins. Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord? Des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit de faire. Allô, Mora. Très bien. J'ai l'œuf. Lumos. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner ça. Revelio. Ils vont le regretter. Bingo. On te le risque.
une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Je suppose que l'œuf est celui de ce dragon. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne serait pas partisan. On fait quoi maintenant? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus. Ça n'augure rien de bon. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Revelio. Il est temps d'apprendre le sortilège de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'affaire? Votre guide du sorcier, venez assister à mon cours pour apprendre ce nouveau sortilège. Revelio. Ensuite, nous discuterons de vos progrès de ce trimestre. Revelio. C'est donc ça le port souterrain? La dame grise. Je lui dirai bien bonjour, mais elle n'a pas l'air très aimable. Revelio.
le livre que le professeur... Tu cherches le manuel du cours moyen de métamorphose ? Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir ? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Quoi ? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser, dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer, mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah, ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Ça pourrait être amusant. Formidable! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de Quidditch ? La chrysalide dorée. Non, c'est faux. La réponse était le vivet. Le vivet a été utilisé pour la première. Quelle potion est communément appelée chance liquide ? Félix Félicis. Bravo ! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères ? Les reliques de la mort. Correct ! D'après Beedle le Bard, les reliques de la mort se composent de la baguette de Sureau, de la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Le cognard. Désolé, mais la bonne réponse était le soifle. Lorsqu'un poursuit... Vrai ou faux ? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Vrai. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Bien que le polynectar puisse être utile, eh bien, je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer, je t'ai posé suffisamment de questions. Ah, désolé. Je n'ai... Préviens-moi si tu... J'ai remis le livre sur le piédestal pour toi. Rêvez, je devrais trouver rapidement avec Revelio. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de métamorphose. Revelio. Oncle Roland vous envoie ses amitiés. Il me parle souvent de vous dans ses lettres. Bonjour Adélaïde. Comment allez-vous, toi et ton oncle ? Très bien, et c'est grâce à toi. Plus j'en apprends sur la bande de brutes de Ranrock, plus je suis étonnée que mon oncle ait survécu. J'ai relu ses anciens messages et j'ai remarqué qu'ils contenaient des informations sur ces gisements de métaux rares. Je pense que les brutes de Ranrock voulaient mettre la main sur ces gisements et qu'ils avaient besoin de mon oncle pour ça. Il était prêt à croupir dans cette cellule dans le seul but de me protéger. Ce n'était rien, Adélaïde. Je suis content que ton oncle n'ait rien. Moi aussi. J'ai été tellement soulagée de le retrouver. Je lui ai dit d'être beaucoup plus vigilant à l'avenir. Pour ma part, je ne peux plus m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule dès que je quitte le château.
Ma mère veut me parler. Je crois qu'elle sait ce qu'on manigance. J'espère qu'elle sera plus conciliante si tu es avec moi. C'est magnifique. Juste ciel. Asseyez-vous. Asseyez-vous. La métamorphose, comme vous m'entendez le répéter chaque année, est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser. Mais ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme. Comme je vois en chacun de vous, des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors, peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon, vous savez tous quoi faire. Excellent travail. Pouvons-nous nous retrouver aux Trois Balais? Depuis que nous avons sauvé le dragon du Hall Magyar, l'endroit est à nouveau sûr.